Comme ils étaient pas assez nombreux, ils se sont fondus dans la masse et ils ont disparu. Coup dur. Les Néandertals sont une espèce humaine différente de la nôtre qui vivait à la préhistoire. Découvert en 1856 en Allemagne, dans la vallée de Néander, on a longtemps pensé que c'était des genres de brutes épaisses incapables de penser ou de parler. Depuis, les archéologues ont trouvé de nombreux sites avec des outils et des squelettes de Néandertaliens. Ils ont compris que c'était des humains très proches de nous, qui avaient des techniques élaborées et qui s'étaient parfaitement adaptés au climat glacial du Paléolithique. Il y a environ 50 000 ans, Néandertal rencontre un autre humain originaire d'Afrique, Sapiens. C'est nous. En quelques milliers d'années, Sapiens s'installe absolument partout et rapidement, on perd la trace de Néandertal. Pour l'expliquer, certains archéologues ont pensé qu'il y avait eu des guerres entre les deux espèces. Mais aujourd'hui, on sait qu'on a quelques gènes de Néandertal dans notre ADN, donc on pense plutôt qu'ils ont fait des bébés. C'est juste que les Néandertals...